Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kazoka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, même si je meurs de chaud. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Watch Dogs 2, on continue cette aventure incroyable que l'on a commencé sur ce jeu. Alors, je dois vous parler de quelque chose avant la vidéo. Donc voilà, à l'heure à laquelle je tourne, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Tout simplement parce que, si vous voulez, pour ceux qui ont déjà joué à GTA V modé, vous le savez, pour faire tourner les mods, pour que les mods fonctionnent, il faut installer ScriptHook5, qui est donc un lanceur de mods. Voilà, on va simplifier les choses, qui est donc un lanceur de mods. Or, Rockstar vient de sortir une nouvelle mise à jour pour GTA V, et Vas-y, il se passe quoi là? Primate est en train de te voler des données. Trouve qui c'est avant la fin. Merde, du j'ai pas eu le temps. Cherche quelqu'un qui se comporte. Bon, vas-y, casse-toi. Pardon. Rockstar ont sorti une nouvelle mise à jour pour GTA V. Or, ScriptHook5 n'ont pas sorti la nouvelle mise à jour pour faire tourner du coup le lanceur de mode sur GTA V. Donc je ne peux plus lancer GTA V tant que ScriptHook5 n'ont pas sorti leur mise à jour. C'est assez compliqué à comprendre pour ceux qui connaissent pas du tout. Mais voilà, pour l'instant, je peux plus tourner sur GTA V. Donc ça m'embête bien. Ça m'embête vraiment. Mais écoutez, tant que je ne pourrai pas tourner sur GTA V, et bah écoutez, on va se retrouver sur Watch Dogs 2. Et puis bah voilà, je peux pas faire mieux. Voilà, voilà. Donc on est parti sur Watch Dogs 2. On y va. Hop. Bonjour. Alors, c'est quoi votre problème? C'est nous le problème, d'après Newton. Qui nous? DedSec. Je le savais. J'ai quelques amis qui rêveraient de vous envoyer en prison. J'ai pas peur de me battre, et vous non plus à une certaine époque. Je vous demande pardon. Vous aviez pas tellement peur de vous attaquer à Newton, si je me souviens bien. Mais bon, je comprends. Vous êtes au conseil, vous êtes importante. Non, 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 non. Ne venez pas me sortir que je suis une vendue maintenant. Ces ordures détruisent des vies jour après jour. Ils sont allés jusqu'à publier des vidéos de mes opérations. Sauf que voilà, j'en ai rien à secouer. J'ai rien à cacher. Mais vous avez raison. Je suis au conseil maintenant. Je ne peux rien faire. C'est pour ça que vous m'avez demandé de venir ici. Vous avez besoin de moi. On a chacun besoin de l'autre. Mais surtout, j'aime finir ce que j'ai commencé. Première chose, n'allez pas croire que New Dawn est une église. C'est une organisation criminelle. J'ai examiné les dossiers de toutes les propriétés qu'ils possèdent dans la baie et il y en a une qui cloche, là-bas. Elle est indiquée comme centre éducatif. Sauf que les portes sont verrouillées, personne ne répond et il y a de la sécurité partout. D'après vous, est-ce que ça ressemble à un centre de formation? Non, plutôt à un centre de déformation. Je vais rester ici. Vous devriez aller faire un tour. Merci, Miranda. Ok, bon, on va aller faire un tour dans ce centre de formation, hein, comme ils l'appellent. On y va Marcus, de suite. T'es allé voir Miranda? Mais merci, ouais. Madame Miranda, on pour pense que c'est ici, mais on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, il cache forcément quelque chose. Je vais voir si je trouve un PC, histoire de fouiner un peu. Ok. Donc, nous voilà dans le centre de formation. Puis bah écoutez, on va essayer de pas trop mal s'en sortir. Hop, je vais distraire celui là-bas pour pouvoir me mettre à couvert ici. Mais dépêche-toi Marcus par contre. Hop. Voilà. Hop. Toi. Tiens, merde, il m'a vu. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh là là là. Allez, 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 allez. Tiens. Ok. C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon du tout. Oh là 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 là. Comment je vais faire? Faudrait que j'essaie de passer incognito. Mais je peux pas, moi, ici. Oh là là là, mais quelle galère.
Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh merde. Allez, 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 allez. Oh là là là. Oh, je vais mourir, c'est sûr. Là, je peux vraiment pas survivre. Oh mon dieu. Mais calmez-vous, les gars. Bon, j'avais pas envie de faire ça. Voilà. Oh là 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 là. Oh, fais chier, il y avait le pilier en bois. Bon, et bah, l'épreuve discrétion est bien ratée, hein. Oh mon dieu. Non, non, non. Toi, tu vas appeler aucun renfort supplémentaire. Tiens. Et tiens. Hop. Oh là 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 là. Oh là là là. Tiens, voilà, parfait. Merci. Tu te mets à couvert. Ah là 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 là. Oh ouais, 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 ouais. Oh, c'était pas facile, hein. Bon, alors, la discrétion, bon, c'est pas ça, hein. Marcus, t'es allé voir Miranda? Ouais. Ah là, ouais, là, c'est chaud, là. Ici, mais on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Bon. Par contre, il cache forcément quelque chose. Ben, on va réessayer, hein, on va essayer de faire mieux, cette fois-ci, forcément. Fouiner un peu. Hop, tu reviens là, parfait. Ensuite, puff, on va venir ici. Et, là. Toc. Allez, vas-y. Nickel. On va continuer par là. Hop, hop. Voilà. Oh, il y en a juste ici. Hop, on va activer ça. Et l'autre. Là-bas. Merci bien, monsieur. Hop, toi, tu me donnes ton énergie. Ok, lui, il a été tasé. Parfait. Oh, merde. Il va pas être attiré? Oh, fais chier. Allez, monsieur! Je vais prendre le taser. Tiens. Bouffe. Ok. Ensuite. Oh, si ça peut tous les appâter ici, en soi, ce serait peut-être pas trop mal, hein. Comme ça, un par un, hop, moi je les tase. Ah, ça me paraît ne pas être une trop trop mauvaise idée, ça. Oh merde, il y en a un juste en haut, c'est un garde, ça, non? Non. Ok, bon. Alors, on va essayer d'accéder à différentes caméras. Ça, tu vas me l'activer. Ensuite. Lui, hop, redonne-moi un peu d'énergie, toi, merci bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oula, il y a lui qui se rapproche dangereusement. Je vais retourner ici. Voilà, j'ai bien fait. Tiens. Tiens. Tu te tais. Oh merde. Pourquoi ils ont appelé les renforts? J'étais pas grillé. Bah non, mais sérieusement. Non. J'étais pas grillé, moi. Tiens. Hop. Toc. Merde, il y en a un là que j'avais pas vu. Hop. Voilà, même plan que tout à l'heure. Je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. Mais on va essayer, on verra bien. Oh merde. Tiens. Oh l'enfoiré. Désolé pour ma vulgarité. Oh genre. Merde, une grenade. Écarte-toi un peu. Hop, à couvert. Parfait. Toi, tiens. Il est où l'autre? Il était juste là. Là. Oh mince. Hop. Là, il y en a un juste là. Tu croyais que je t'avais pas vu, hein? Tiens. Ok, nickel. Hop. Tiens. Toi. Tiens. Ok, il en reste plus qu'un complètement derrière. Juste là. Tiens. Parfait. Ok, on a tout le monde, c'est bon. Donc, eh ben, c'est toi qu'il faut que je pirate. Parfait, merci monsieur. Hop. Ok. Mais du coup, il faut pas que je traîne. Si je veux... Oh, mais... Va-t'en. Si je veux pouvoir partir avant que tout le monde se réveille... Il faut vraiment pas que je traîne. Je vais aller voler l'argent qui est là en même temps. Hop. Comme ça, j'ai pas besoin de revenir dans celui et c'est très bien. On va se dépêcher d'aller dans la petite maison, là. Voler le registre des résidents. Hop. Toi, tu vas t'activer. Une fois qu'il y en a un qui se déciderait à venir me faire chier. Hop.
Allez, escalade-moi ça. Toi, c'est pareil. Ok, parfait. Tu te refermes. Et tu te désactives. Comme ça, encore une fois, s'il y en a un qui veut venir m'embêter, bah, il sera bloqué pendant quelques temps, au moins. Bon, bah, allez. Oh, nom de Dieu. Allez, tu me voles tout ça. Tu te dépêches. Jimmy Siska. Eh ben voilà, j'avais raison. Oui, Marcus. Je suis au bon endroit, et ils l'ont bien amené ici. Si j'arrive à le faire sortir, vous pourrez le mettre en lieu sûr? Comptez sur moi, je serai prête. Ok, alors, il faut aider Jimmy Siska à s'évader. Oh, mince. Oh, ils sont tous réveillés. Oh, bah là. Là, ça va être une sacrée galère, là. Et je suis trop loin pour les toucher avec le taser. Oh, bah là, je sais pas comment on va faire, les amis. Ça va être une sacrée galère, assurément. Bon. On va essayer, on verra bien, on va passer là. Allez, allez, dépêche-toi. Allez, tu peux le faire, vite. Hop, ouvre-toi, ferme-toi, le temps qu'on parle un petit peu, j'imagine. Hop, voilà, tu me fermes toutes les portes. Hop. Ok, nickel, allez, on peut parler. Jason? Je m'appelle pas Jason, et je bosse pas pour Newton. Faut me faire sortir d'ici, mec. J'ai rien à faire là. Barrez-vous, allez. D'accord. Ok. Alors, Jimmy Siska s'est évadé, donc c'est notre tour maintenant, j'imagine. Oh là là, bah ouais, mais... Miranda, oh ouais. Jimmy Siska se dirige vers vous. Ok, et vous? Je m'en sortirai seul. Assurez-vous qu'il lui arrive rien. D'accord. Tiens, toi aussi. Ok, toi aussi, c'est parfait. Écoutez, on va s'évader par là. Hop, voilà. On va continuer par là, je pense qu'on a moyen de s'évader assez facilement en passant par ici. Hop, on a une sortie juste là. Et comme ça, hop, on a juste à prendre la porte de sortie. Allez, mort voilà les amis, désolé pour la petite ellipse. On a donc quitté le camp de redressement. La mission est accomplie, on va retourner à la voiture et on va passer un petit appel à tête sec, j'imagine, comme d'habitude. Ah non, Miranda. Jimmy est en sécurité. Merci, Miranda. Non, c'est vous qui avez tout fait. Il veut vous parler, je vous le passe. Marcus, c'est bien votre nom. Je veux cramer tous ces fumiers et je sais par où commencer. Retrouvez-moi devant le temple de Newton. Non, mec, il faut porter plainte. On vient de prouver que l'église séquestre des gens. En plus, j'ai tout filmé. On va diffuser la vidéo au monde entier et ça va être bon. Non. Je peux vous emmener au cœur de l'église. Les reliques sacrées. La source originelle. Ah, ça, c'est une offre que je peux pas refuser. On se retrouve là-bas. Ok, alors... Merde. Direction le temple de Newdown. Alors, faux profit, c'est donc par là. Je suis désolé si à certains moments je risque de couper mon micro, mais il fait tellement chaud que j'éternue énormément. Donc voilà, désolé. Allez, on est parti. D'ailleurs, je suis désolé si vous entendez parfois des bruits de mouettes, etc. Mais je suis obligé de tourner la fenêtre ouverte. Vraiment, je meurs de chaud, sincèrement. Allez, on y va, on a un petit peu de route, 3 fois rien. Enfin, je crois, du moins, désolé pour le petit bruit de nez, ça risque d'arriver assez souvent. Hop. Mais là, je suis vraiment en nage. Hop. Ah, pas besoin d'aller à la piscine, hein, mon Dieu. On va tourner là, hop, parfait. Oh, quelle conduite professionnelle. Oh là là, c'était ici. Hop. Ah ouais, non, mais la gueule du petit chemin de terre qui me fait prendre. Oh là 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 là. Allez, hop. On va tourner là. Ah non, après. Ah oui, bon, c'était la même chose. Ok, et nous voilà donc juste à côté de l'église, apparemment. Hop, il est où, Jimmy Siska? On va se garer quand même. On va faire les choses bien. Hop. Oh mince, ah, elle va trop vite aussi. Alors on va dire que c'est bien. Allez,
Mais il est pas là, j'ai l'impression. On démarre la mission Saborgie. Encore un lancement. Ils arrêtent pas chez Galilée. Psst. Hey, c'est moi, je suis ici. Jimmy Siska. Je suis incognito. Ouais, impressionnant. C'est beau, hein? J'ai vécu dans le péché. Et c'est l'heure de la confession. Ouais, Mission Danger 3. Si ça, c'est pas un classique. Classique. Désolé, je pensais pas que t'étais fan à ce point-là. Ouais, ouais. Avant, ouais. J'ai sacrément merdé, pas vrai. C'est un thème récurrent chez moi. Mais il est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Genre ici et maintenant. Enfin, en y réfléchissant, peut-être pas maintenant tout de suite. Je suis pas vraiment sûr de pouvoir retourner là-bas. Y a pas de souci. Dites-moi ce que je dois trouver, je m'en occupe. D'accord. Alors, ok, bon, tu verras. Y a un ascenseur qui amène au sous-sol. Au sous-sol, y a une pièce, et à l'intérieur de cette pièce, y a d'anciennes tablettes sumériennes qui auraient été gravées par le visiteur lui-même. Non, non, je déconne pas. Et eux, je t'assure qu'ils déconnent vraiment pas. Ok, ok. C'est bon, je vous crois, c'est parfait. Bon. Écoute, si t'as besoin d'autre chose, t'hésite pas. Tu veux pas qu'on demande à quelqu'un, plutôt ? Non, c'est bon. Ok, alors, il faut rejoindre le sous-sol du temple. Ok, pour les tenter mecs, de trouver les tablettes sumériennes. On va y aller, écoutez, hop. On reprend notre voiture. Maintenant, on attend juste que tu récupères. Et puis, le on est parti, hein. Allez. Il y en a toujours des serpents. C'est pas ce genre de temple, Wrench. Les serpents, c'est de la merde. Je ferai gaffe. Allez, on y va. Oh, attention, messieurs, dames. Eh ouais, faites gaffe un peu. Oui, oui, tout à fait, c'est eux les fautifs, exactement. Hop. On va éviter d'écraser les poulets quand même. Oh là là. Quoi qu'un bon petit poulet pour manger ce soir. Quelle blague! Désabonnez-vous instantanément. Allez, hop. Nous voilà arrivés à l'église. C'était rapide, hein. Forcément, avec une telle voiture, vous allez me dire, on n'allait pas mettre beaucoup de temps. Oula, oula, oui, d'accord. À peine ici, on est déjà... déjà dans la zone, ok. Bon, ben, on est parti. On va essayer de repérer les premiers ennemis. Il y a quelque chose qui est bien dans ce jeu, c'est que j'ai l'impression qu'on peut pas se faire repérer par les caméras. Dans un monde où la technologie est incroyablement développée, enfin, quoique non, c'est la technologie d'aujourd'hui, mais dans un monde de hackers, on peut pas se faire repérer par les caméras. Et ça, c'est quand même pratique, hein. Oh, je vous jure. Donc, ok. Ok, ok, je fais un petit état des lieux, entre guillemets, voir où sont les ennemis. Ouais. Ici, on a un sous-sol, ok. Ensuite, d'accord, on a un truc de piratage ici, très bien. La caméra ici. Ok, on a d'autres ennemis là, on a beaucoup d'ennemis. Ça risque de pas être simple de s'introduire là-dedans. On va essayer, on verra bien. Hop, ça va remettre la caméra que j'avais tout de suite. Y a pas d'autres caméras? Bon. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, on va tenter, on va y aller. Hein. On va passer par là. Oh là, oh là. Doucement, 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 Marcus. Ok. Je vais les distraire. Le temps de passer. Allez, 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 allez. Hop. Voilà. Parfait. Ok. Lui. Hop. Doucement, doucement, doucement. Il va pas monter l'escalier, très bien. Alors on y va. Hop. Ok, parfait. Ah merde, il y a lui en haut. Faut que j'essaie de l'avoir. Hop. Allez, 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 allez. Hop. Nickel. Dépêche-toi quand même. Ok, parfait. On repasse comme ça, des fois qu'il y aurait un membre que j'aurais pas vu. Hop, passe-moi ton argent, toi, merci. Ok.
Alors, on a un truc au-dessous à récupérer. On va aller récupérer ça vite fait. Écoutez, hop. Voilà. Pof. Ok, peinture personnalisée de véhicule. Bah, c'est pas mal, ça. Ok, allez, on continue. Notre périple, notre aventure. Ah oui, c'est des vitres ici, donc faut quand même que je fasse gaffe à ce que personne puisse me voir de derrière, quoi. Ah ouais, c'est technique, hein, cette mission, quand même. Hein. C'est technique. Ok. Allez, camoufle-toi ici. Enfin, camoufle-toi, non, cache-toi. Ok. Tu vas m'activer la détection de mouvement, là. Et là, ils sont comment? Ah ouais, là, ils sont vraiment deux. Toi, est-ce que je peux te distraire? Ouais. Hop. Hop, parfait. Ça a fonctionné à merveille. Nickel, j'avais peur que ça fonctionne pas. Mais si, ça l'a fait. Très bien. Ok. Écoutez, on va essayer d'activer. Ah oui, mais si j'active le machin à l'intérieur, ouais, c'est vraiment un machin à l'intérieur. C'est pas... Ouais, c'est pas juste... C'est pas à l'extérieur. Donc ça risque d'attirer le gars qui est à l'intérieur du bâtiment et pas l'autre, du coup. Fait chier. Ok, tant pis. On va activer lui et on va tenter de l'attirer. Ouais, mais ça va attirer lui. Ah, ça attire pas celui que je voulais du tout. Faut que j'essaye de contrer ça. Hop, on va faire ça. Parfait. Allez, les gars. Va par là, toi. C'est quoi, ça ? Allez, mon poteau. Parfait. Allez, les amis. Allez, 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 allez. Laisse-moi l'activer, s'il te plaît. Ah, mince. J'ai plus assez de botnets. Et là, c'est pas facile. C'est bon. C'était quoi? Hop. Oh, genre, il s'est réveillé. Déjà. Oh, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, ça. Il était pas censé se réveiller comme ça maintenant, lui. Bon. Vas-y, va par là, explore un peu. Explore un peu. Bon, bah, c'est pas grave, tu vas y aller quand même. Hein. Ok. Lui, allez, descends. Descends, bordel. Parfait. Merde, j'ai pas eu le temps. Ah, oh, fais chier. Oh là là. Oh non, je pouvais rentrer, j'ai pas saisi l'occasion. Oh, quel trou du cul. Alors moi je suis vraiment le roi. Dépêche-toi. Hop. On va vite fait aller pirater le truc à l'intérieur, comme ça ce sera fait. Si jamais je me fais pas griller, forcément. Hop. Hop, ok, parfait. On est dedans. On n'a plus qu'à le pirater. Nickel. C'est bon, c'est piraté. Et maintenant, en théorie, tout devrait devenir plus simple. Hop. Lui il ressort. Parfait, il est tasé. Ok. Pourquoi je peux toujours pas trouver le terminal par feu? Ah. Donc ça, je suis obligé de le faire avec le bumper, du coup. Ok. C'est pas très grave. Oh, mais arrêtez de le réveiller tout le temps, lui. Vas-y, il y en a un qui va être attiré par ça. Hop. Allez. T'es attiré, mon pote, là, allez. Allez! Petit, 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 petit! Mais c'est pas le bon qui a tiré, merde! C'est pas vrai! Puis là, du coup, je pense que je pourrais l'avoir d'ici, mais je vais attendre qu'il vienne là. Ah ouais, mais il y a l'autre derrière qui va me voir, du coup. Doucement. Tiens. Et toi, tiens. Ok, nickel. Dépêche-toi, hop, on retourne à l'intérieur du machin. Et on va lancer le bumper. Pour vite fait aller déverrouiller le terminal pare-feu d'en bas. Hop.
Voilà. Ok, hop. Allez. Dépêche-toi avant qu'il y en ait un qui arrive. Allez, mon copain. Oh là là, mais c'est l'ambiratique tout ça. Ok, voilà, ça devrait être là. Ok, parfait. Oh, oh mince. C'est bon. Et donc le terminal pare-feu, il est là-bas. De mémoire. Voilà, il est là. Parfait. Ok, allez, tu me pirates ça. Voilà. Allez, dépêche-toi par contre, mon pote, parce que... C'est bon ? C'est bon, c'est déverrouillé, parfait. Parfait, 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 ok. Eh ben, il n'y a plus grand monde, les gars. Là, c'est caviar, c'est facile, ils sont tous endormis. Par contre, faut pas trop traîner non plus. Ah, il y en a un qui se réveille en bas, vite. Ah, il est le premier que j'ai tasé. Tiens, parfait. Oh là là, là là là, merde, 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 hop. Et donc là, oui, il faut pas trop traîner, parce qu'à un moment, ils vont tous se réveiller. Et ça va devenir la galère, forcément. Ok, hop, on y va. Ah, il est retourné à l'intérieur au final, lui. Hop. Tiens, parfait, nickel. Allez, on monte là-haut, on se dépêche. Comme ça, pour l'instant, ils sont tous endormis. Et il n'y a pas trop de galère. Hop, pirate-moi ça. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, malheur. Bon. On va essayer de faire avec, hein. Donc toi, tu vas passer comme ça. Toi... Toi, tu vas passer... Ah ouais, là, il ne reçoit plus rien. Eh ben, comme ça, le temps de... Comme ça. Le temps de déverrouiller celui-là. Et ensuite, tu repasses comme ça. Ok, ça, c'est bon. Ensuite, on continue par là. Donc ici, il manque de l'électricité qui vient de là. Donc, on va faire ça. Non, ça... Comme ça, ça déverrouille lui, on remet comme ça. Et on se remet comme ça, hop, hop. Nickel, ok, pour l'instant c'est pas trop mal. Ensuite on passe ici, hop. Puis hop, voilà. Ok, on remet comme ça. Ça déverrouille ça, non c'était bien. Comme ça, parfait. Et donc on revient là. Ça va, c'est plutôt simple. Oh mince, mince, mince. Il y en a qui se sont réveillés. Ça c'est la galère. Dépêche-toi avant qu'il y en a qui arrivent. Hop. Voilà. Hop. Et donc là, on a tout débloqué. Merde, 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 merde. Voilà, ok, parfait. Tu vas me bloquer ça. Et tu vas me bloquer la porte. On va essayer de bloquer toutes les portes avant que je m'engage. Hop. Voilà, je crois que c'est pas mal. Allez, on est parti. L'ascenseur de Jimmy. Nickel, nous voilà dans l'ascenseur. L'ascenseur caché. Attends, c'est quoi cette phrase? Bah quoi? C'est vrai? Bienvenue, ok, alors il faut... au cinquième niveau de New Dawn. Félicitations pour votre élévation spirituelle. Merci beaucoup. Merci. Nous voilà donc... J'ai travaillé dur pour y arriver. aux tablettes cachées. Vous avez devant vous ce que New Dawn a de plus précieux. Ce sur quoi repose leur religion tout entière. Une série de tablettes sumériennes vieilles de plusieurs millénaires. Il y a tout un tas de trucs chelous ici, mais ça alors, ça... Ça, c'est spécial. Pourquoi elles sont pas dans un musée? Et puis, qu'est-ce qui leur donne le droit de les cacher à la population? Enquêtons ensemble. Ça dit de pas toucher? Mais j'ai vraiment envie. Allez, juste un petit peu. Allez, quoi. Tout ce patrimoine culturel. J'ai tellement de chance d'avoir ce privilège. Oh, 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 non, 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 non. Elles sont fausses. C'est une grosse arnaque. Les gens qui rejoignent New Dawn, qui paient des millions pour pouvoir les voir, alors que c'est du pipeau. Aussi pipeau que leurs promesses. Ouais, ça fait du bien. Allez, je me tire. Et ben voilà.
Comme quoi, New Dawn, c'est de la merde. Allez, on remonte, on s'échappe du temple, du moins on va essayer, parce que ça risque de pas être très facile. Approchez. Contemplez. New Dawn. Betsek a décidé d'enquêter sur l'église de New Dawn et a découvert le crime et la corruption à l'état pur. Ils achètent des quantités astronomiques de données personnelles pour mieux cibler leurs ennemis. Ils savent vraiment tout de vous. Nous nous apprêtons à dévoiler tout ce que nous avons appris via nos canaux habituels. Lisez, vérifiez. Vous arriverez à la même conclusion que nous. New Dawn est une organisation criminelle qui intimide ses propres membres, détruit leur vie et s'empare de toutes leurs économies. Ne nous croyez pas sur parole, voici notre invité. Salut tout le monde, moi c'est Jimmy Siska. Vous me connaissez, j'ai joué dans des films à succès avant de me faire laver le cerveau par New Dawn et qu'il me force à dire tout un tas de conneries. Quand mes amis ont remis en question les pratiques pourries de l'église, ils ont tous disparu. Quand j'ai voulu faire pareil, on m'a enfermé dans une pièce toute bizarre contre mon gré. Ne vous inquiétez pas, la police a déjà ouvert une enquête. Mais alors, qu'est-ce qu'elle veut cette église? Qu'est-ce qu'il y a dans les sous-sols? Mes amis de DedSec vont vous montrer la vérité. DedSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Hey! Alors les gars! Allez, pas la peine de nous remercier! Bon, et ben voilà, au moins la révélité... La révélité, n'importe quoi. La vérité a éclaté au grand jour. Nous, on va s'évader très vite, aussi vite qu'on le peut. On va passer par le sous-sol, si j'y arrive. Comme ça, ça nous permet de voler l'une des voitures qu'il y avait. Hop. Et ça nous permet une évasion rapide. Hop. Dépêche-toi. Allez, hop, 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 hop. Nickel. Tu continues par là. C'est parfait. Pour l'instant, ça se passe très bien. Hop. Au sous-sol. Parfait. Et on a un petit truc d'argent à voler là-bas, j'ai cru voir, vite fait. Ici, parfait. Hop. On va d'abord monter dans la voiture avant de partir. Bon les gars, laquelle on prend? C'est du luxe hein. C'est du luxe, c'est du luxe. Écoutez, on va se prendre celle-là. Allez, hop. Oh, ça bip. Ça bip, ça bip. Allez, ouvre-moi ça. Oh bah, je l'ai déjà abîmé. Et on se casse. Hop. Voilà. Oh mince, mince, mince. Doucement, doucement. Et on est parti. Et voilà. C'en est terminé. On a fait tomber New Dawn. Et ça, c'est tant mieux. Parfait. Allez, le petit coup de fil à DedSec. Comme d'habitude, j'imagine. Hop. On va rouler un petit peu par là où on a envie, comme d'habitude. Hein. Hop. Ah, et plus 6 points de recherche, ça fait plaisir. Ah, c'est peut-être temps de me donner des nouvelles. Voilà, le coup de fil à DedSec. Yo, Citara. Dis, tes affiches, là. Elles sont belles, tu sais. On dirait presque de l'art. Mais va chier, Marcus, c'est de l'art. J'en sais rien. J'y connais rien en street art, moi. Alors tu seras mon élève. Je t'envoie des coordonnées. On se retrouve là-bas. Enfin, si t'arrives à les déchiffrer. Bon, ça, forcément, c'est de l'opération secondaire. C'est pas principal. Donc nous, ça ne nous concerne pas pour les vidéos. C'est tout ce qu'on a en quête principale. On n'a pas de nouveau coup de fil ni quoi que ce soit. J'ai l'impression que non. Alors écoutez, nous les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. Hein. On est aux 40 minutes de vidéo. Ça s'est très bien passé. On a bien avancé. On a terminé Faux Profit. C'était mon objectif du jour. Et donc écoutez, nous on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour commencer. Quel est le nom de cette mission déjà? Attendez, je valide vite fait les quêtes en ligne. On se retrouvera donc pour Parole Dôme. Voilà. Donc dans le prochain épisode. Et puis bon, moi en off, je m'occuperai des peintures, etc. Mais voilà, dans la prochaine vidéo, Parole Dôme, et bien on continuera cette aventure, tout simplement. On va vite fait se prendre une nouvelle amélioration, si on peut. Qu'est-ce que c'est que ça?
D'accord, c'est pas super pratique. Ah, d'accord, donc il y a bel et bien des caméras. Donc on va se prendre ça. Parce que ça, je le vois venir de très très loin. Ça va nous être primordial. Pouvoir désactiver les caméras, ça se sent. Ça va nous être primordial. Ok, très bien. Et donc on a une nouvelle peinture, c'est vrai? Ah oui, d'accord, ouais. Une peinture New Dawn, génial. Ok. Bon, allez, on va se laisser là pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos, à lâcher un pouce bleu, commenter, partager. Ça m'aiderait énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. Ah bah, on a un appel. Marcus, on va attendre notre réseau de followers, c'est devenu une vraie machine de guerre. Tu peux être fier. C'est toi qui as lancé tout ça. Là où DeadSec était qu'un tas d'idées désordonnées, t'en as fait un mouvement. Les gens portent tes logos, ils scandent tes slogans. T'as vraiment fait un super boulot. Merci, beau gosse. Mais n'oublie pas qu'on a un objectif. Tout ce que je fais, je le fais pas pour qu'on me passe de la pommade. Ce que je veux, moi, c'est que les gens ouvrent les yeux. Ça va pas tarder. Ils sont aveugles depuis trop longtemps. D'accord, ok, donc c'était juste pour nous dire que le réseau de followers a augmenté. Très bien, ok. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos, à lâcher un pouce bleu, commenter, partager. Ça m'aiderait énormément et ça me ferait extrêmement plaisir. Pour être tenu au courant de toute l'actualité me concernant moi, la chaîne YouTube et ma vie personnelle une petite fois de temps en temps, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Tous les liens sont bien évidemment disponibles en description. Également, si vous voulez me soutenir et aider la chaîne à grandir, n'hésitez pas, si vous en avez la possibilité financière, bien évidemment, à soit me faire un don, sur mon lien PayPal, ou alors à passer sur le Kazoo Shop pour vous procurer un vêtement, un accessoire, un goodies, KazooCam, voilà. En attendant, les amis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, d'ici là, soyez à cœur, et à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos. Bisous.